Ok, salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo d'event, vidéo du vendredi. Il y a une event qui, tu vas voir, qui est vraiment complet, d'accord. On est sur un event qui est après un event anniversaire et j'ai l'impression qu'il est encore plus complet que l'event d'anniversaire. Donc, c'est cool. Juste avant de commencer la vidéo, les gars, je voulais faire cette vidéo avec maillot de l'équipe de France. On est en pleine Coupe du Monde, comme tu sais. Et BlueStack fait gagner, d'accord, des maillots. Alors, n'importe quel maillot, c'est des maillots des vrais maillots FIFA, tu vois. Donc, du coup, moi, j'ai sélectionné celui de l'équipe de France. Si tu veux faire comme moi, ben, en description, je t'ai mis le lien, d'accord. T'as juste à cliquer dessus et ça te fait gagner de manière passive. Enfin, tu peux potentiellement gagner, t'as rien besoin de faire. Si tu veux tryhard, tu peux jouer à des jeux de ton côté. Enfin, tu vois, c'est écrit tout dessus, j'en sais rien. Moi, je fais juste de manière passive. Et avec un peu de chance, bah écoutez, on va gagner peut-être un maillot de l'équipe de France. Ce qui ferait que je vous le ferai gagner sûrement en. Je vous ferai gagner par rapport à un event. On verra ce qu'on fera. Si jamais je le gagne, bien évidemment. Hein. Donc le lien est en bas de la description si vous voulez gagner aussi comme moi. Vous pouvez cliquer dessus. Ok, donc on va commencer maintenant l'event anniversaire. Enfin, l'event après l'anniversaire. La carte anniversaire est toujours active, c'est-à-dire que tu peux toujours l'acheter, d'accord. Donc ça c'est cool, je te conseille parce que vraiment, en vrai il aurait même été plus rentable de l'acheter maintenant. Parce que du coup potentiellement ton niveau a augmenté, donc au final tu vas gagner plus de gemmes et plus de trucs comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je chipote, c'est pour juste quelques trucs. Donc t'as vu que ça c'est toujours d'actualité, tu reçois toujours des petites têtes de luxe en or là. C'est toujours fait. Moi, j'ai acheté un peu des orbes ici et j'attends. J'achèterai sûrement près des parchemins. J'ai pas acheté les héros là parce que, bien que j'ai eu des mimes, comme t'as pu le voir, bah, ça coûte super cher. Et mimes, c'est vraiment PVP. C'est ultra fort en PVP, je dis pas. Hein. Mais nous, on est plus sur le PVE comme tu sais. Et ça m'embêtait de le monter dans tous les cas. Je pouvais pas l'avoir. Je pouvais pas l'avoir 10 étoiles donc c'est assez. Voilà. C'est peut-être pas ouf pour moi. J'ai peut-être fait une erreur, je sais pas, on verra. On a ensuite, comme tu peux le voir, les shelter missions. Donc là, on a beaucoup de persos à gagner, les gars. Et le petit Amivore qui fait plaisir là, parce que les gars, il m'a manqué un seul pour passer 250. Donc je vais l'acheter. J'ai pas encore de quoi le monter parce qu'il manque des 5 étoiles. Pas beaucoup, mais on va voir. Donc, comme d'habitude, là, pour faire là, t'as ce qu'il faut réunir pour avoir le loot en haut. Donc là, on va pouvoir gagner. À chaque fois, on gagne une moitié de stuff et un perso. Donc là, on va pouvoir gagner Last Blink. Donc c'est cool, c'est un très bon perso PVP. J'en ai assez, donc on va pas le faire. Tu vas pouvoir gagner ainsi Aidan avec la même manière. On a le Rosa aussi, très très bon. On a le Karim, pareil. Et là, on va commencer sur les deux persos. Alors, t'as vu qu'à chaque fois, il fallait un 5 étoiles pour avoir un autre 5 étoiles. En gros, c'est un échange. Là, pour ce truc-là, il en faut deux. Voilà, tu vois, il faut deux 5 étoiles de la faction pour avoir ce perso-là. Donc nous, au niveau du Michel, on va pas le faire parce qu'on s'en fout un petit peu. Mais au niveau de la Muvor, on va devoir le faire. Donc on va dépenser les deux ici. Et on va en plus débourser 3000 gemmes pour avoir notre dernier Muvor. Donc au moins après, on saura qu'on pourra potentiellement le mettre 250. On verra après si on le fait vraiment ou pas. J'aimerais bien le test, même si tous les retours que j'ai eus sont pas ouf en vrai. Je suis pas trop fan, mais bon, on va voir. On est ensuite, les gars, sur un pack d'anniversaire. Donc, tu vois que malgré que l'anniversaire soit fait la semaine dernière, je pense qu'il continue. C'est sur 2 semaines, en gros. Et là, les gars, on a des packs de ouf. Là, alors, certes, ça coûte 8000. Mais là, les gars, en 8000, ils nous donnent le skin et Krouss. Donc, le skin, à savoir que c'est un nouveau skin hein, qui est assez cool, j'aime bien. Ils sont un peu dans l'ambiance tête de mort, un peu des trucs comme ça. Parce que même le nouveau skin qu'ils ont mis ensuite, pareil, qui coûte 8000 sur Skurei, les gars, ça ressemble à ça, quoi. Donc... mais ça c'est cool. Donc là pareil, pour 8000 il donne Skurei et Krouss. Sachant que moi il me manque 2 Krouss. Donc là si j'achète il m'en manquerait plus qu'un. J'ai envie de me le prendre. Le Skurei pareil, il me manque 2 Skurei. Donc il m'en manquerait potentiellement plus qu'un. Après ça j'achèterai en fin de semaine les gars. Là ça faut l'acheter au dernier moment. Parce qu'imagine tu drops un 5 étoiles comme ça et tu chopes le Krouss. T'aurais fait 8000 pour rien quoi. Enfin pas pour rien parce qu'après tu peux le monter 13 étoiles. Donc il t'en faudra encore mais bon. Et le petit truc qui fait plaisir, ça. Alors ça c'est rentable les gars, même si ça a l'air un peu bizarre. Parce que ça coûte 4000. Donc j'ai calculé pour 4000 gemmes, t'as 100 trucs comme ça. Et 1000 pardon. Et si t'achètes avec des t'achètes les parchemins héroïques, ça te les fait à 200 gemmes l'unité. Sachant que quand tu les achètes alors pas dans... alors je sais plus si c'est dans le donjon, mais je crois que quand tu achètes normalement ici, d'accord, avec des gemmes, c'est donc 2200 pour 10, ce qui veut dire que ça les fait à 220 l'unité, donc là, c'est encore moins cher. Donc, ça serait rentable de les acheter là-dedans. Voilà. Donc nous, on va le faire. On va les acheter. On va être... bon, j'ai eu de la luck, j'ai beaucoup de gemmes, les gars. Donc là, clairement, on va pouvoir se faire plaisir. Un nouveau truc... alors ça, c'est vraiment pas mal, ce qu'ils ont fait. C'est nouveau. En gros, tu sais que d'habitude, il faut 3 pièces de stuff identique pour faire une pièce de stuff suivante, d'accord. Et c'est tu payes ça en or et c'est tout.
Là, il n'en faut qu'une pièce, d'accord, pour passer à la suivante, donc c'est assez cool. Mais par contre, il faut payer. Alors, c'est beaucoup d'or, par contre. Là, par contre, il te taxe, mais de ouf. Mais à la limite, ça, c'est pas très grave. C'est surtout en gemmes. Ça coûte 1500 gemmes pour juste ce passage-là. Franchement, ça coûte un. Bon, à la limite, celui-là, il coûte pas trop cher. Ça va encore. Mais celui-ci, clairement, 3000. En plus, tu peux le faire qu'une fois. Bon, ok, après, t'as le dernier truc. Il est vraiment bien. Maintenant, je trouve que ça fait un peu cher pour ce que c'est. Sachant que là, on est sur un event qui déjà demande beaucoup de gemmes. Donc, voilà. Et après, celui-là, alors, à God Mode. Celui-ci, c'est un nouveau. Il est fait spécialement pour les mages. Donc là, je pense que les mages vont être vraiment bien avant. Là, ils ont sorti le Scurry avec le skin. Donc clairement, les Scurry, les mimes, ça va les mettre vraiment, vraiment bien. Hein. Donc là, spécial pour les mages. On va pas se le prendre, bien évidemment, nous, parce que là, ça coûte tellement cher. Donc on verra. On verra ce qu'on va faire. On a un event orb, les gars. Donc ça fait plaisir. Et en dernier perso, on a Fate Blade. Donc vraiment, bah, le top niveau PVP, c'est le meilleur, voire le second meilleur. Après, avec mime, on sait pas trop en ce moment, mais. Quasiment le meilleur perso du jeu et de loin, donc super. On va pouvoir l'avoir. J'en ai qu'un, donc ça m'en fera deux. On est très loin de seulement des 10 étoiles, les gars. Et bon, là c'est le pack qui continue. Ok, donc avant de commencer cet event orb, les gars, on est dans le super casino. On a un petit peu reroll avec des 100 gemmes, d'accord. J'ai dû perdre 1500 gemmes là-dedans, mais c'est pas grave. On va essayer de se le choper. Le Crous, parce que comme tu le sais, il m'en manque deux. Si jamais je me le chope ici et qu'après j'achète avec les 8000 qui restent, eh ben on est bien. Les gars, on prend pas de risque. On prend pas de risque. Attends, parce que là, on est sur un truc. Non, je vais travailler ce soir. Je vais être dégueulasse là avec mes cheveux, mais c'est pas grave. Bim. Attends, le chapeau. Reste calme, reste calme. Focus sur le Crous. Hein. Tac. Voilà mon petit chapeau. Regarde bien ce qu'il faut viser. C'est lui que je veux. Donc là, on est au super casino. On claque les 10 jetons. En vrai, là, j'avais 60 jetons. 60 super jetons. Je me dis que. Ok, je me dis que avec un peu de chance, ça peut passer quoi. Avec un peu de chance, ça peut passer. Ça passe pas encore. Alors, je vais juste regarder le ratio. Ouais, on est sur du. Bon, en gros, avec 200 super jetons, je devrais l'avoir statistiquement. Après, je pourrais l'avoir peut-être plus d'une fois hein, parce que c'est les stats, hein, mais on sait pas. Allez, ça serait cool que j'en ai un. Ça serait vraiment cool que j'en ai un parce que là, du coup, les gars, ça veut dire que j'aurai mon gros 10 étoiles ce soir. Et. Ah, ce brain. Et ça ferait la différence. Non, il me reste. Mais c'est horrible ces moments-là, quoi. Il t'en reste. Attends, on va le faire tant je l'ai là. C'est horrible ces moments-là où tu descends petit à petit. Non, je suis très loin. Où tu descends trop petit à petit. Et là, il me reste qu'un lancer, quoi. Allez, c'est horrible. Allez, 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 allez. On y croit, on y croit. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Bon. Bah du coup pas tellement rentable hein, c'est 1500 gemmes pour avoir un Crous. Je savais que c'était pas rentable mais c'était pour la vidéo. Ok, bon. On l'a pas eu, c'est pas grave. Est-ce que j'ai suivi tous les trucs? Oui, bon écoutez, là on va commencer du coup. On peut voir qu'on a un peu plus de d'orbe que prévu. C'est pas grave, ça me les stack pour la prochaine fois. On va déjà juste reroll les gars, vous avez vu que j'ai 100 bûchettes, enfin un peu plus de 100 bûchettes. On va juste reroll une fois parce que si jamais on tombe sur le Crous direct, bah voilà, il y a pas tout besoin de mettre dans les... dans les abysses, donc là on sait jamais. Bim, si jamais. Pas. Merde. J'ai vu des cornes déjà, c'est peut-être lui. Mais pas du tout. Ok, bon, c'est pas grave. On va faire les orbes. On va les mettre sur sur les abysses. Et après, il nous faudra aussi sur les ombres. Donc on va voir. J'aimerais bien le choper vraiment rapidement ce coup. Ça serait vraiment énorme que je le chope là. En quelques coups. Et après, je mets tout. Parce qu'en fait, il me faut du food. Il me faut vraiment du food chez les ombres. Pour faire des 9 étoiles. Pour me passer après mes héros, 11 étoiles. Parce que là, ce qui me manque... Ah, on a encore eu un 5 étoiles, c'est pas le bon. Ce qui me manque, les gars, c'est des 9 étoiles, quoi. Parce que là, la Vesa, j'en ai plusieurs. L'Air Sweatshirt, je crois que j'en ai plusieurs aussi. Mais malheureusement, j'ai pas assez de 9 étoiles pour monter tout ça. Sachant que si je veux monter après... si je veux monter après Amuvor ou des trucs comme ça, il me faudra aussi des 9 étoiles pour le monter. Donc, voilà. Alors. On va juste s'arrêter à 100, là. Et après, on va faire un peu de bûchette. Et on verra après si on met tout dans les... Si je continue. En vrai, là, il me faudrait un Scurry et un Crous. Ça serait le top. Ça serait vraiment le top. Ok, donc on finit sur un 5 étoiles. Donc là, au niveau des rouges, on finit sur ça. On va se mettre la Norma. Je sais pas pourquoi, je la sens bien. Donc là, on a 5 relances. Allez, c'est parti, on y croit. Je stresse rien que pour faire save les gars et voilà. Mais qu'est-ce qu'on demande de plus? Directement on a le Crous les gars, mais... Pff,
C'est un génie ce bonnet, c'est un génie, je savais qu'il fallait que je le mette aujourd'hui. Donc c'est parfait les gars, on a notre Crous. C'est ni... Je vais regarder quand même, si jamais je me suis pas fait... Non, je l'ai pas là-dedans, je me fais pas une frayeur. Il est là, il est nickel. Donc là, un Crous, deux Crous, on est nickel les gars, on a notre équipe. Donc là, je ferai une vidéo, je le passerai 9... enfin, 10 étoiles, pardon. Ça va largement augmenter certains dégâts que je vais faire, donc ça c'est super cool. Je l'ai eu assez rapidement en plus, nickel. Donc là je me tâte à recontinuer les gars à faire pour Scureil. En vrai Scureil pour PB c'est cool, pour PVE je sais que c'est super fort mais j'ai pas encore de truc. Je vais me faire des 9 étoiles parce que là là on va se faire des 9 étoiles les gars. Allez c'est parti, on se fait du 9 étoiles. Donc là il me faut du foot, donc là clairement feu à volonté hein. Franchement il n'y a pas trop de... Ah non, on me donne pas des héros comme ça parce que j'ai pas envie de les monter. Si tu me donnes des charas je vais avoir envie de la montrer pour le fun quoi. Non, pas de Jara. Pas de Jara parce que du coup, après mon 9 étoiles, je le sacrifierai jamais, quoi. Parce que Jara 10 étoiles, franchement, ça peut être tentant, quoi. PvP, ça peut être très fort, bon, ça, j'en suis sûr. Mais PvE, Jara, c'est pas dégueu, hein. C'est vraiment cool. Allez, on veut du 5 étoiles, on veut du 5 étoiles. En vrai, est-ce que je pourrais pas encore faire du rouge pour avoir... Non, on s'en fout. Parce que là, je pense déjà au Crous 11 étoiles, 12 étoiles. Mais clairement non quoi. Un petit Crous tranquille comme ça, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ok, on a eu des petits 5 étoiles. Alors je le fais pas dans Light and Dark, hein, parce que t'as vu que mon Amuvoir c'est bon. Au niveau des Lights, c'est bon. J'aurais pas fait de Blade, donc clairement on s'en fout. Et puis t'as vu que le taux de drop, il est pas ouf du tout quoi. Allez mon petit bonnet, porte-moi chance. Donne-moi des 5 étoiles. Dans le doute, les gars. On va pas changer. Une équipe qui gagne. Voilà, concentre-toi. Le Fate Blade. Le Fate Blade, tu peux y aller par contre. Non, on va. Ouais, focus un peu le Fate Blade. Parce que clairement, il faudra que je le monte lui. Donc, Fate Blade, tu peux regarder. Dominator, oui. Lutz, moyen, file pas trop. Corpse Demon, pourquoi pas. Bait, j'ai pas trop envie. Le Kamat, tu peux regarder aussi. Le Aidan, tu peux regarder aussi. Le Walter, j'en ai assez. Le Walter, c'est bon. Le Walter, ça va. La Jara, tu peux encore regarder. Ça, merci bien. Ok, voilà, un peu tout ça. Je te laisse faire ton choix. Voilà. Il y a beaucoup d'héros 5 étoiles. Hein. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Donc, ok, on est pas mal. Allez, c'est parti. Ben voilà, directement, le 5 étoiles qui tombe. C'est très bien. Continue. Le mec qui est fou parle à son bonnet. Mais je vous assure, les gars, que ben, ça marche un peu quand même. Hein. On a un peu de luck en faisant ça. Donc, allez. On est bon, il nous faut encore des 5 étoiles parce que là on n'a pas assez encore de 5 étoiles. Le but les gars c'est de monter Veza, de la monter au moins 11 étoiles, voire déjà 11 étoiles sera pas mal. En tout cas j'ai clairement la moyen de, si je veux là je l'augmente 13 étoiles quoi, mais il y aura des gros sacrifices qui sera fait quoi. Genre clairement le Hormus, il dégage, hein. Il va dégager déjà. Hein. Il va dégager, j'ai commencé à réfléchir un petit peu au perso que je vais dégager. Le Hormus c'est presque sûr et certain que je vais le dégager. L'Ice Bling, j'ai du mal, mais il faudrait, parce que clairement, à part pour le PVP ou pour la tour d'oubliette, mais pff, clairement, comme je vous ai dit, si je me suis pas focus sur Mime, c'est pas pour me focus sur Ice Bling, quoi. Allez, on aimerait avoir un petit perso là, quand même assez sympa. Un petit Bootblade, pourquoi pas, parce que Bootblade, je sais que dans le futur, ça peut être pas mal. Ok. Alors les gars, est-ce que... Je ferai pas mes 30 dernières orbes dans les rouges. Ouf, ah ouais, non, mais ça, non, il me faut du food, il me faut trop de food. Alors le bag, on est comment là? Perso ombre. Tu peux voir que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19. Ouais, 19, c'est encore pas tellement assez. Hein. 19, c'est pas assez, les gars. Il m'en faut encore. Allez, dans les ombres, en avant. Sachant qu'il me manque une Emily après. Aussi. Il manque plein de persos. Hein, donc. Non, allez, on continue sur ça. On peut pas tout avoir hein, dans tous les cas. Donc il y aura un prochain event orb et je mettrai sur une autre faction. Je peux pas tout faire. Hein. Je préfère me focus sur une bonne faction et pouvoir avancer que m'éparpiller sur 3. Et déjà que là j'ai un peu éparpillé sur 2, j'ai un peu fait Abyss.
Donc là, ça suffit, quoi. Si en plus je vais sur Forteress, j'en finirai jamais, quoi. Non, là, faut que je regarde sur les orbes, les gars, parce que clairement, je crois qu'il... Ah, attends. Ouais, voilà. Il m'en manque que 13, hein. Donc, je... Merde. J'en ai fait un pour rien. C'est pas grave. Ok. Ah, parce qu'il faut pas que je descende à 0. Ok, encore du 5 étoiles. Ça, c'est bon. C'est très bon. On sera content après d'avoir notre petit 9 étoiles. J'en suis un peu loin, mais bon. Donc là, normalement... La dernière orbe est celle-ci. Et c'est terminé. Ok, on finit sur ça. Ok, les gars, on est sur l'emplacement de héros là. Donc là, bah, bim, 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 bim. Allez, toi, mon petit, en avant. Fais-moi avoir quelque chose de bien. Ça, on va le garder. On va essayer de trouver le Blood Bay, d'accord. Parce qu'il faudra se le monter. J'ai envie de tenter un petit peu. Donc, non, ça, non. Allez, 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 on y croit. Non plus. Peut le faire. Alors lui, j'en ai déjà pris un. Je l'ai gardé parce que pour évoluer les luttes, ça peut être pas mal. Vu qu'il me faudra des, bah, des 6 étoiles pour évoluer tout ça. Allez, on va mettre lui. Il me plaît. Tac. Allez, la dernière fois, j'avais un bon héros en gardant lui. Ok, plus que 14 relances, les gars. Non, pas lui. C'est pas ça que je veux faire. En vrai, j'aurais pu garder mes bûchettes pour attendre d'avoir un héros un petit peu épais pour le chercher. Mais c'est pas grave. On va un petit peu avoir des bûchettes. Là, Karma, non. On veut pas Karma. On veut pas lui non plus. Non, 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 non. C'est un assassin, mais c'est pas le même. Le Corpse Demon. Le Corpse Demon. Le Corpse Demon. Non. On va l'enlever. C'est assez ouf. Mais comme non, j'en ai pas. Et je compte pas m'en faire. Donc c'est pas très grave. Allez, allez, mon petit bonnet. Porte-moi chance. Bon, tu m'as déjà porté chance. Hein, d'accord. Mais si tu pourrais aller plus loin, ça serait pas mal. Allez, il me reste 5 lancés. Et après, c'est terminé. Oh purée, je suis à 6 de pouvoir. Non, c'est pas grave. Non. Allez, plus que 3 lancers. Bim. Ok, lui il est là. On est bon. Et allez, on fait pareil sur lui. Il nous en reste 2. Ok, on change maintenant. Il nous en reste 2. Allez, on aimerait encore un petit lutte. Un petit lutte, un petit lutte. Je garde. Un lutte, je garde. Parce que c'est facile à évoluer. Enfin, c'est facile à faire 6 étoiles, on va dire. Et bon, on va remettre un petit peu lui. Et le dernier lancer. Allez, on y croit. Ah, ça passe pas. Ok. Donc là, les gars, on s'est mis super bien. Donc là, on va prendre tout ce qu'on a gagné. Normalement, le Fate Blade devait être en dernière. Voilà, il est là, c'est parfait. La Margaret. Bon, la Margaret, pourquoi pas. Je trouve pas ça ouf, mais bon. Donc là, les gars, Event Orb, on l'a terminé. Ce truc-là, je pense que je vais pas le faire. Ou je verrai. Donc là, clairement, je vais devoir acheter ça. Non, lui, pardon. Mais comme je t'ai dit, je vais atteindre le dernier... Putain, c'est bon. Oula, mais ça y est, je m'en pagaille. Comme c'est dit, je vais attendre le dernier jour parce que, imagine, dans un summoner free, je tombe sur Krouss. Bah, je serais un peu déçu, tu vois, parce que je vais pas en claquer 8000 pour rien. Donc voilà, j'ai une petite semaine à patienter, c'est pas très très grave. Donc ça, on verra à la fin. Ça, directement, je sais que je vais le claquer. Voilà, directement. Et le scurry, pareil, je vais attendre un petit peu. Shelter mission, on va faire cet amuvore. Donc là. Ah ouais, c'est deux au hasard, donc on va faire les deux, allez, les deux ici, bim, les 3000, et on a acheté notre petit amuvore, donc ça c'est bon, je l'ai fait. Le reste, franchement, j'ai pas tellement envie de le faire. Je vais faire peut-être le Karim, pour être sûr d'avoir un Karim easy 10 étoiles quand je le voudrais. Ici, comme je t'ai dit, moi, on va sûrement finir ici par les parchemins, pour en avoir pas mal, histoire d'anticiper un event parchemin, bah, du coup, dans un mois. Et bah, les gars, on sera plutôt pas trop mal, j'ai quasiment tout fait. Comme tu peux voir là, les gars, on a fait le 6 étoiles Amuvore, d'accord. J'en ai un en plus ici. Donc là, lui, il va me permettre de le monter, on va dire, level 9 étoiles. Et dans le sac, je devrais en avoir 2, voilà, qui me permettront de monter 10 étoiles. Donc, j'ai certes, tac, tac, il me manquera encore un 6 étoiles pour permettre de monter 10 étoiles. Il me faudra un 9 étoiles que je ferai sûrement avec les ombres. Et on pourra se le monter 10 étoiles. J'attends un peu de le faire parce que bah, l'Amuvore, comme bah, tu le sais peut-être pas, mais... C'est un peu bizarre, c'est un perso qui sur le papier est super fort contre les maraudeurs, tout ça, mais en vrai c'est nerfé, on peut pas faire autant de dégâts qu'on veut, et du coup ça perd un peu de son intérêt. Maintenant j'ai envie de le tester vraiment de manière optimale parce que j'ai plein de... ce qui se joue avec des, on va dire, avec des équipiers qui ont des artefacts énergie, moi j'en ai pas mal, du coup j'essaie de faire un truc à peu près sympa,
Mais ça sera dans un peu plus longtemps, parce que là, le temps que je le monte, il y aura à mon avis quelques events qui vont passer. Et je te ferai une vidéo dessus normalement, si tout se passe bien. Ok les gars, donc là on finit sur ça. Donc comme t'as pu le voir, un event qui m'a rapporté quand même plutôt pas mal, parce que évidemment j'ai eu le cross que je voulais, du coup je vais pouvoir me le faire 10 étoiles. Donc ça va être vraiment bien. Au final cet event là il me permet quand même d'augmenter mon équipe, de me faire un joli up. Donc bah, pour moi c'est bon quoi. Certes j'aurais pu avoir peut-être plus avec les orbes, mais je suis satisfait. Faut savoir satisfaire des petits trucs. Déjà rien que pouvoir acheter un cross. Franchement ça m'aurait fait le taf, parce que bah, c'est quand même assez dur à avoir, du coup il m'en aurait manqué plus qu'un, mais là, le fait de l'avoir eu en plus, bah, que demander de plus quoi, j'ai eu mon crous, donc pour moi c'est bon, mon event il est rempli, je suis content. J'espère que bah, toi t'as assez de gemmes pour le faire. C'est vrai que cet event demande quand même pas mal de gemmes si tu veux vraiment faire pas mal de trucs, d'où la carte qu'ils ont sorti, ils sont pas bêtes hein. Ok les gars, donc là on finit sur ça, donc écoute j'espère que tu passeras un bon event, que tu auras autant voire plus de chance que moi, donc moi je vais pas me plaindre, donc voilà, donc je te souhaite un bon event à toi, un bon week-end, et je te dis à plus pour une prochaine vidéo, ciao les gars.